Je vis dans un monde où ce qui m'intéresse, c'est de faire apparaître la vérité derrière les masques. Les masques, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un masque, sinon quelqu'un qui veut se reprendre pour ce qu'il n'est pas. C'est souvent le masque de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire c'est l'apparence de quelqu'un d'autre, un masque. Et derrière le mot « personne » en grec, veut dire « masque », persona. Mais oui, faire apparaître cette vérité, faire émerger cette vérité, derrière les emprunts, derrière les mimétismes, derrière les faux semblants, derrière les ce qui fait qu'on donne le champ, etc. Alors j'aime bien ce qu'on pourrait appeler un psychodrame, par exemple. C'est-à-dire créer des situations où les gens se révèlent à eux-mêmes et se révèlent à leur propre regard. Je vais prendre l'exemple, justement, dans cet endroit où je suis, nous avons eu des colloques, et parfois ces colloques ont fait l'objet de... Les gens ont commencé à s'énerver, ou à s'exciter, ou à parler très fort, ou tout simplement à se lancer dans des réflexions assez complexes, des débats. La question qui se pose, pourquoi les femmes n'aiment pas les débats? Elles n'aiment pas les débats parce que les débats signifient que les choses ne sont pas stabilisées. On pourrait presque dire que les choses vivent encore, bougent encore. S'il y a débat, c'est le signe que ce n'est pas encore au point, que le message qu'on doit leur transmettre aux femmes et qu'elles vont intégrer n'est pas encore mûr. Donc il y a des débats. Débat, ça implique l'idée de dualité, ça implique l'idée de diversité. Et elles attendent que les hommes se soient décidés pour nommer, pour élire celui ou ceux qui auront l'honneur de les féconder, tant sur le plan physique et sexuel, que sur le plan intellectuel ou moral. Voyez-vous, il y a comme cela des signes qui sont ancestraux, qui sont ataviques, des signes qui laissent entendre que la situation n'est pas encore mûre, ou qu'elle est en train de l'être mûre. Et un de ces signes, c'est justement quand les hommes discutent entre eux. Les femmes observent ces discussions et ça les met mal à l'aise parce que justement, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment. C'est ça le surtout qui les met mal à l'aise. Que ça bouge encore. Qu'il n'y a pas encore eu de vainqueur. Il n'y a pas encore eu d'unanimité. Il n'y a pas eu... Ça n'a pas encore été décidé au sens de aller à Jacques Taest, au sens de quelque chose qui tombe, qui est décidé. Ça n'a pas encore atteint le stade où on pourrait leur passer le relais, le flambeau. Parce que ça aussi, c'est vrai. Paradoxalement, dès que les hommes se sont mis d'accord sur un vainqueur, le meilleur, que le meilleur gagne, et bien à ce moment-là, les femmes vont pouvoir récupérer la chose, s'ouvrir au vainqueur. Et donc, à un moment donné, paradoxalement, elles vont pouvoir se débarrasser des hommes, puisque les hommes leur ont transmis tout ce qu'ils auront transmis. On pense un peu à cette journée, ce rapport de dupe qu'on trouve aussi, c'est Samson et Dalila, une forme de cynisme, en disant, voilà, allez, donne-moi tout ce que tu as, pressons le citron, et puis après, bye bye. Il y a des femmes qui font ça même pour avoir un enfant, et puis après, elles ne veulent plus voir le père. J'ai connu une femme comme ça, qui s'était séparée de son conjoint, si on peut dire, avant même la naissance de leur fille. Bon. Donc, oui,
il y a des signaux de ce genre. Et parfois, on les explique. D'ailleurs, je disais, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Il ne s'agit pas de changer le monde, il s'agit de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la subconscience, terme que j'affectionne, il y a des choses qui fonctionnent d'une façon. Ça fonctionne, le monde fonctionne. Mais il fonctionne sans qu'on le contrôle véritablement et sans qu'on sache exactement quel est le mode d'emploi, comme dirait Hannah Arendt. Mais il fonctionne. Et ce n'est pas le monde qui fait problème. C'est la conscience qu'on en a, c'est la compréhension qu'on en a. Et quelque part, il y a en nous des processus qui comprennent ce qui se passe. Donc finalement, c'est un phénomène un peu bizarre que je décris là. C'est-à-dire, finalement, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, mais on n'en a pas conscience. On n'en comprend pas la raison. Mais la sagesse voudrait qu'on dise, bon voilà, les choses sont comme elles sont. Même si on ne comprend pas, elles sont comme elles sont. Et le monde continue à tourner comme ça. Il ne s'agit pas de changer le monde. Tout au plus, s'agit-il de mieux le comprendre. C'est tout ce qu'on peut espérer. Et ce n'est pas donné à tout le monde de mieux comprendre le monde, je vous l'assure. C'est d'ailleurs même probablement un de mes mérites, d'essayer et de parvenir à comprendre. Et parfois, on fait des observations. Vous savez, l'observateur, c'est quelqu'un qui fait des observations, mais qui font des observations qui sont un petit peu décousues. Il observe ceci, ici, ceci, là, etc. Et finalement, à un moment donné, il s'aperçoit que ces différentes observations, elles peuvent être mises en réseau. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles se conjuguent, elles se concilient, elles se renforcent mutuellement. J'avais remarqué depuis longtemps que les femmes n'aimaient pas les débats. Mais je n'avais pas compris, trouver la raison de cette difficulté face au débat. C'est une raison finalement très prosaïque, très simple. Le débat, c'est ce qui est vivant. C'est ce qui est encore en train de se faire, qui est en progrès, work in progress, comme disent les Anglais. Et donc par conséquent, c'est au niveau pavlovien, en quelque sorte, le signal n'est pas encore donné de passer le relais, tout simplement. On ne va pas plus loin.